Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Agedincom, un peu spécial puisque c'est le premier avec du montage. Et pour cette première vidéo montée, actualité oblige, j'ai envie de vous emmener en balade dans la ville de Sens pendant le confinement. De l'intérieur, le calme était déjà impressionnant, mais dehors, c'est encore plus marquant. Peu de piétons, peu de voitures, peu de bruit. J'ai tourné ces quelques images un mardi, début avril. Traditionnellement, le mardi est un jour plus calme à Sens parce que c'est jour de relâche, après celui de marché du lundi. Mais là, vous allez voir, même au mois d'août, il n'y a jamais eu aussi peu de monde pour un jour de semaine. Et c'est une Sénonaise qui vous le dit. Alors c'est parti, nous allons faire une boucle dans le centre-ville en partant de la rue de l'Écrivain, où nous sommes avec le petit chat, jusqu'au bas de la grande rue en passant par les promenades. La place Drapet s'est vide de ses piétons, puisqu'il était interdit pendant le confinement d'être statique et de profiter du soleil sur le mobilier urbain pourtant tout neuf. C'est un ancien parking et cette place est maintenant entièrement piétonne depuis septembre 2019. Et au-dessus de l'horloge de l'hôtel de ville, Brennus, symbole d'Agedincom, observe cet étrange calme. Au nord de la rue de la République, je me suis arrêtée sur la place Jean Jaurès, où se déroule pour le moment le marché pour des raisons sanitaires. Et comme vous le voyez, elle est aussi très vide pour un mardi, et on peut d'ailleurs observer le trou béant qu'a laissé l'ancien cinéma Rex qui se trouvait derrière ces arbres. Je me remets à l'endroit pour vous montrer une autre place de stationnement, la place Garibaldi, qui fait face au théâtre municipal. Ici, avec trois voitures et le calme plat. Je continue ma balade sur les promenades jusqu'à la fontaine que vous voyez ici, qui est en sommeil. La cathédrale sonne l'heure. Et l'église Sainte-Mathilde répond. Et oui, c'est son nom, comme la place de parking juste en face dont personne ne connaît jamais le nom. Je finis de descendre ensuite les promenades pour rejoindre les nouveaux quais de Lyon avec le Clos le Roi à droite. Et, youhou surprise, encore une église, l'église Saint-Maurice à flanc de rivière. Dans cette balade, j'ai pu longer Lyon parce qu'à ce moment du confinement, les quais n'étaient pas encore interdits à la promenade. Je traverse ensuite le pont en toute tranquillité sans avoir à me méfier des voitures. Et je me suis arrêtée pour observer ce passage habituellement très fréquenté. Et vous voyez là le moment le plus dynamique de ce que j'ai filmé à cet endroit-là. C'est dire s'il y avait bon monde. Cette promenade se termine en traversant, toujours sans me presser, pour rejoindre le bas de la grande rue où tous les commerces non essentiels étaient évidemment fermés pendant le confinement. Je vous laisse pour la fin de cette vidéo avec quelques images nocturnes et le chant des cloches de la cathédrale pour rendre hommage aux soignants et à toutes les personnes qui ont rendu le confinement le plus vivable possible. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur le pouce bleu pour m'encourager, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et vous pouvez suivre l'actualité de la chaîne sur Instagram et Facebook. Toutes les infos sont en barre de description.